ce qui est arrivé à leur précédent propriétaire. Oh, cette intrigue. Oh, ça rejoint un petit peu le... Comment ça s'appelle? Room. The Room. Oui, non, moi c'est bien aussi ça, Zoom. Mais là, c'est plus Excellent. un objet que tu. C'est plus un objet que tu dois venir trouver, comment savoir quand ça s'ouvre, etc., quand il se met en route. Il y a des feintes, des clés, des trucs comme ça à trouver, voilà. Ok. Au début, t'as des boîtes qu'il faut ouvrir. Après, dedans, t'auras l'objet qu'il faudra après que tu regardes comment ça marche. Bon, t'as des indices forcément de temps en temps qui vont t'aider à t'aiguiller sur comment faire. Mais tout est faisable. Hein. Voilà, je ne dirai pas plus. D'accord. Ok, merci de l'info. Je vais volontiers me lancer là-dedans. Sous C'est un tes petit jeu, suggestions. c'est pas super super long à faire. Hein. Donc voilà. Sais plus combien de niveaux, enfin, je regarde tout ça. Oula, moi je suis pas à jour dans mon agenda Alors, de Twitch. il y a 9 chapitres. Ok, 9 chapitres, je retiens. Donc ça veut dire 9 objets, on va dire, pour faire simple. Oui, donc c'est officiel. Ce week-end, malheureusement, je serai absent. Je serai même pas là samedi matin, finalement. Ouais. Oh mon Dieu! À ma grande Comment surprise. qu'on va faire? Ah oui, alors. On va Mais être orphelin. ouais, On va c'est être ça. orphelin. Donc, alors, vu les températures qu'ils annoncent dans le sud-ouest, moi j'aurais pas pu jouer. Parce qu'ils annoncent encore 37. Alors moi je suis pas de ce coin-là, donc moi ça va, ça m'arrange. Température de fou encore. Tiens, qu'est-ce qu'il y a ce week-end chez moi, tiens? Oh, moi j'ai 30 samedi, 30 samedi, dimanche 33, lundi 36, tout va bien. Lundi 36? Oh Ouais, lundi 36. Je vais crever lundi, hein. En plus, je travaille, ça va être horrible. Ouais, bah bon courage à toi par avance. En plus, c'est le pic 14h après manger, oh là Ouais. Alors, je peux vous annoncer, sauf chamboulement de dernière minute, normalement la semaine prochaine, vous me trouvez un peu en compensation que je suis pas là le week-end. Je prendrai mon lundi après-midi. Donc comme aujourd'hui, Ah je non. ferai un 14h minuit lundi. Et jeudi, c'est le jour férié, le 15 août, le jeudi. Et je vais faire le pont. Donc je vais faire jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ouais. Ah oui. Et moi, je suis en vacances du 14 au soir jusqu'au 31. D'accord. Alors que moi, c'est l'inverse. Je ferai ma reprise le lundi 18. Donc Et deux là, bonnes semaines. ouais, Deux bonnes, le. presque, ouais, 2 bonnes semaines, un petit peu plus, hein, Ouais, je suis bien. Mais non, moi, le problème, c'est que moi, je vais reprendre le lundi 19 août. Et là, c'est grosse inconnue. Même pour les week-ends, j'ai peur. J'ai peur que vous me voyez quasiment plus sur Twitch. Mais ce sera bien malgré moi. De toute façon, je vous tiendrai au courant. On n'en est pas là. On en est que. Voilà, cette semaine, j'ai juste jusqu'à ce soir. Finalement, je suis désolé, je suis pas là du week-end qui arrive. Mais. Je me reprends la semaine suivante où je peux caser moi mon lundi après-midi et soirée et faire jeudi, vendredi, samedi, dimanche non-stop comme un fou furieux, 4 jours d'affilée. Bon, bah bonne soirée à vous toutes et toutes. Mais ouais, bon Ouais, moi j'en jeu. passerai tout à l'heure. Oui, on va crever de chaud comme dit Torta. Allez, ciao, Ciao, merci, bisous, bon catch du côté ciao. de Bastos, Christella. Et ouais, bon Ouais, catch merci aussi. en tenue, hein, tout ça, avec le masque et tout ça. Ah Ouais, je suis en tenue. Hein. Personne ne voit, c'est ah. dommage. Attends, Allez, je file. je regarde la météo. Du coup, vous me faites peur avec ce qu'ils annoncent. Du coup, je vais regarder pour ma région. Lorsqu'il. Bah oui. Parce que j'ai pas pointé les prévisions, que je me fasse une idée. Ça va vraiment flamber la semaine prochaine. Ah bah Attends, dimanche faut que je prenne. 32. Ah oui!
Bah, le lundi que je... Voilà, message j'ai réservé. De Torota 77. Qu'il y a, mon Dieu. Si on voit le sage bronzé du crâne, on a deux possibilités. Lundi, tu as crevé, 36. Hein. Soit il est 36. Allé à la plage, soit on lui a dit d'aller se faire cuire un œuf. Alors si, moi, je vois 36. Hein. Pardon, je répondais à une bonne zone de Torota. Oui, non, moi, j'ai du 34, ça va. Mais 34 lundi, ouais, ça va faire chaud. Mais je serais bien content d'être chez moi en bunkarisé. Et voilà, il y aura plus de pluie jeudi, mercredi, jeudi, un peu de pluie, donc voilà, plus tranquille. Ouais, frais. Mercredi, j'ai la sauce, et ouais. C'est mieux. Ouais, bah c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ouais, le week-end, il va être chaud, punaise. Oh. Ah, c'est horrible. Ouais. Ouais. Du coup, dimanche... J'ai le plaisir de retrouver ma frangine pour faire une promenade, mais il faudra qu'on prenne nos précautions, parce qu'on va cuire. Bon, bon app à toi, Tunsen, à tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Bon app. Moi, je vais tester le jeu que tu m'as conseillé. Oh mon Dieu. Je quitte de l'avocat, je reviendrai après. Oui, bien sûr, sans souci. Alors, le Machinica Museum. Est-ce qu'il y a quelque chose à configurer? Ah merde, j'ai pas mis le chat. Oh, oh. Pour moi, je peux pas vous lire. Si je mets pas le chat, ça va pas le faire. C'est beau. Oh, c'est très beau. Waouh. Machinica Atlas, la suite. Ouh là là. Non, la résolution n'est pas la bonne. Ah merde. Ne me dites pas qu'ils ont pas ma résolution. Ah non, là, pour diffuser, c'est pas cool. Ils ont pas la 720p? Non, vous êtes sérieux les gens? Du coup, je vous diffuse quoi là? Attends, en plein écran. Oui, on est d'accord, je suis en plein écran. Optimal, on va dire bonne. Voilà. Ok. Attends, du coup, je vois même pas ce que je vous renvoie comme. N'hésitez pas à me dire hein, s'il y a un truc qui va pas dans la. Dans le chat, n'hésitez pas à me faire le retour parce que là, je suis même pas sûr de vous faire un truc en plein écran. Cliquez sur le commentaire pour le fermer. Une autre longue soirée au musée en perspective à utiliser des objets inconnus en provenance des quatre coins de la galaxie. D'accord. J'espère que vous voyez bien le jeu. J'en suis même pas certain. Un nouveau colis m'a été livré aujourd'hui et comme d'habitude, ils m'ont donné aucune information. Il paraît que les chercheurs, c'est fait pour chercher. Oui, bah comme dirait Nagui, on préfère avoir des trouveurs pour trouver. Cliquez deux fois sur l'enveloppe pour vous en approcher. Faites glisser. Mais c'est vraiment The Room, c'est la même logique. T'avais une lettre. Oh bah merde alors. Cliquez sur l'icône de la lettre pour la regarder. Numéro de série 1078, chers collègues du quatrième étage, suite à votre requête d'il y a au moins deux mois, en l'an 2038, pour vous aider dans votre travail, nous vous avons ressorti de l'inventaire cette ancienne imprimante scanner 3D. C'est un ancien modèle, mais elle fonctionne en théorie. Le mode d'emploi est manquant encore, mais nous sommes sûrs que vous saurez vous en servir. Quand vous n'en aurez plus d'usage, merci de nous la retourner dans son emballage d'origine avec tous les accessoires. Bonne fin de journée. À vous, pardon, la direction de service technique. Note, comme d'habitude, le code du verrou est réglé par défaut sur le numéro de série. Comme d'habitude, le code du verrou est réglé par défaut sur le numéro de série. Oui, donc 1078. Oui, je garde la lettre en... Attends, clique droit pour vous y noyer. Il faudrait que je trouve un objet pointu pour couper le scotch de ce prout. Oh, une paire de ciseaux. Quel fait étrange. Incroyable, ça devrait faire l'affaire. Vous avez trouvé des ciseaux. Alors, allez au-dessus de la boîte. Comme ça.
Ok, j'ai glissé les ciseaux pour ouvrir le burp. Voilà, voilà. Bien, regardons cette boîte de plus près. Ben, c'est censé être l'imprimante 3D. Aïe! Ah, même si le déballage pouvait être aussi simple. Chapitre 1. Cliquez pour continuer. C'est le titre du chapitre. Amalia, cette chose. Bien, trouvons comment démarrer cette imprimante. Regardons la lettre. Le code est 1078. Cette lettre m'a été livrée avec la machine. 1078. Là, il y a un truc de verrou, là. 1078. Lalala. Et voilà. C'est comme ça qu'on fait. Heureusement que le code était dans la lettre. Je n'en aurais probablement plus besoin. Je vais la mettre de côté. Oui, à la poubelle. C'est quoi ça? Qui disait? Une batterie. Quelle drôle d'idée. J'ai une batterie à trois crans. Oh mon dieu. Il y a le positif, le négatif et la terre. Non, c'est pas possible. C'est étrange. La masse, comme on dit en électronique. Un mégot. Oh, le logo du jeu. J'ai trouvé une emblème de mes gènes. C'est quoi? C'est cadeau? Oh! Alors, Made in Italy. Pour 20 ans de loyal service au sein du muséum. Oh mon dieu. C'est italien. Alors, est-ce qu'on peut reproduire le... Ouais. C'est la médaille commémorative du musée, elle vaut très cher. Ah bon? Je vais la dupliquer, je vais faire un trafic de médailles qui vaut très cher. Allez, joue, je sais pas qui. Comment ça marche? Il est où le bouton? Mais non! Mais range-moi le truc! Allez, duplicata. Duplicata. Attends, la batterie est sur le côté, c'est ça? Oh, comment ça marche? Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, comment la batterie est là-dedans? Passons lecteur de cassette. Cette machine s'autodétruira dans 10 secondes. Oh mon dieu. Oh. Qui va pas? Ah, il faut injecter de la matière pour que le duplicata puisse se faire. Mon dieu. Oh putain. Le réservoir là, c'est... Dans ce réservoir là, il est bien lourd. Cartouche donc. Je n'ai pas besoin de deux cartouches. D'accord. Elle a quelque chose de particulier, la cartouche. Ah, j'ai quand même la louche. Wow. Bon, c'est bizarre. Réfléchissons. Mais je peux aller ailleurs dans la pièce ou je suis condamné à manipuler l'imprimante 3D? C'est quoi la maison? Ah, c'est le menu, d'accord. Non, mais attends, eh oh non, mais reviens au jeu. Retour au jeu, pardon, j'ai pas cliqué là où il fallait. Je deviens fou, je panique. Ah, j'ai manipulé pas la bonne. J'ai pris celle qui était pleine. Non? Bah attends, celle-là elle est pleine. J'ai pas le droit à un commentaire sur les objets quand je clique dessus. Ce réservoir est bien lourd, donc ça veut dire que le réservoir est plein. Je peux pas remettre la cartouche en place.
pas besoin de cartouches. Oh merde. Ce réservoir est vide, je devrais le remplacer. Oui, d'accord. Oh. Ah, parce qu'ils mettent les cartouches de réserve dans le truc. D'accord. Bon, elle a l'air heureuse. Allez, c'est pas tout. Mais non! Fais-moi mon duplicata de jetons, ça vaut très cher. M'en fous, je vais faire dans les... dans les contrefaçons. J'ai fait mon dissident vilain. Allez, zou. Bah, après, ça marche comment? Mais arrête de m'ouvrir le truc. Ah, d'accord. Eh ben, copie. C'est le scanner. Attendez. C'est le scanner 3D. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, c'est scanner. Ah, je récupère le truc, je vire, je laisse la chambre vide et il va me faire le duplicata avec la matière. Maintenant que j'ai scanné cet objet, je peux l'imprimer. Vous avez trouvé l'emblème du musée. Oui, bah oui, tu m'étonnes. D'accord. Et maintenant, je demande le duplicata. Duplicata, magie du démon. Duplicata, Tommy. Oh, mon Dieu. Ta-ta-ta-ta. Je sais pas. Vous avez trouvé emblème du musée. Bingo, un objet parfaitement appliqué. Je vais garder cet emblème quelque temps. Elle me servira sûrement. Cet objet s'autodétruira dans... C'est quoi ça? L'imprimante étant configurée, on va passer au vrai travail. Voyons à présent ce qui m'a été livré d'intéressant comme objet extraterrestre à étudier. Des objets extraterrestres. Chapitre suivant. Mais attends, je me fais peur. J'espère que vous me voyez bien dans le direct. J'y pure. J'espère que c'est le bon plan. La livraison d'objets extraterrestres que je vais étudier ce soir. On m'a donné aucune info sur leurs origines. Mais ils m'ont dit que c'était urgent. Ce n'est pas normal. Je suis curieux de voir ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas normal. Boîte 2. C'est quoi ce ticket? Une lettre. Que dit la lettre? Esquimation du 10 novembre. Rapport préliminaire de découverte. Cette machine d'origine Prout fait partie d'une Prout située près de Saturne sur l'astéroïde Atlas. Origine et destination inconnues à ce stade. Différents objets en sont tombés lors de la première excavation. Ils ont été joints à la livraison suivant les mesures habituelles. De manière inhabituelle, une demande d'expédition prioritaire nous a été envoyée d'en haut pour que cet objet, ainsi que quelques autres, soient expédiés directement au Muséum National en France. Alors National, ils me mettent dans le doute. Non mais il y a un N de trop là. Bref, cela a provoqué une plainte du docteur Robotnik, on va dire ça, hein, quant au secret qui entoure cette opération. De plus, est potentiellement dangereux. Non mais il y a des fautes, potentiellement il y a deux L. Oh! Mais non, mais qui c'est qui a été en charge de la traduction? C'est dommage de faire une traduction avec des fautes. Note, ne pas activer en cas de faible gravité. Oh merde. Pièce Prout Prout, désignation Prout, date, 2038, taille de 18 kilos, au pudding. Origine inconnue. Alors, c'est une lettre de mes collaborateurs qui travaillent sur le T-Wayne. Et pourquoi je vois une page de 2? Elle est où la page 2? Pour tourner le truc? Hein? Oui, non, mais d'accord. Alors, il y a une espèce de clé cubique à l'avant. Et il y a quelque chose de dangereux sur le côté. Deux fois danger. D'accord. D'accord. Alors, il y a le truc là et il y a le truc dangereux sur le côté. Ça, c'est dangereux.
Ah oui. Qu'est-ce que c'est? Une note cachée. Qui dit quoi? 359. Oui, c'est plus revenant dans la logique de The Room. Si vous connaissez pas The Room et vous aimez ce genre de jeu d'énigmes, machin, foncez sur The Room. C'est... Même moi, je suis pas allé au bout. Mais c'est... Ouais, c'est sympa. Franchement, c'est sympa, une scène. Et puis, il est bas. Non, ce qui est dommage, c'est la traduction française qui est... Il y a pas mal de fautes, là. On en a vu 2-3. Ça pique un peu. Les fautes d'orthographe, c'est quand même dommage. J'ai l'impression que cette pièce va me servir. Je pourrais la dupliquer avec mon imprimante. Le taquet en métal. Ah oui, il faut faire la symétrie parfaite. Eh oui. Ouais, ils étaient même pas obligés de le dire que tu devinais qu'il fallait faire la manip. Ouais, allez, l'imprimante. Oui, je peux me servir de l'imprimante. C'est pas tout de me le dire, c'est que je veux m'en servir. Mais merde! Ah d'accord. Ok, faut être... c'est comme ça que ça marche. Ok, ok, on a pu escoltiner l'interface de la... Mais... Laisse-moi dupliquer le bazar. Ah merde, c'était quoi? J'ai déjà oublié le code. Mais rends-moi mon curseur. 359. Ah, ce zoom des zooms qui me rend fou. Bah c'est bien, c'est détente comme jeu. C'est le jeu de la détente. Michael Bay production présente. Oh. C'est quoi ce truc? Comment qu'ils ont moulé la mousse? Chapitre 2, cliquez pour continuer. Mais pourquoi tous les chapitres s'appellent cliquer pour continuer? Je ne comprends pas. Que cette partie puisse s'ouvrir, oui, mais comment? Comme ça, le truc qui a aucune logique. Ouais, non, mais non, ça s'ouvrira plus tard, et d'ailleurs, peut-être de là. Mais le moment n'est pas venu. Sur le côté, j'ai pas vu le côté du machin. Non, y a rien. Ah, mais arrête de me mettre le menu! Ça, la bague violette, elle va fusionner. Qu'est-ce que c'est que ça marche? Merde. J'ai un double clic alors qu'un simple clic suffit. Ça a l'air de pouvoir s'accrocher quelque part. L'autre aussi. L'autre aussi.
c'est que ça, ce mécanisme n'arrive pas à s'enfoncer complètement. Et ça, non plus. J'ai bien, ouais, j'entends bien un clic, mais c'était non, on va pas bouger. Je triche. J'essaye de voir s'il y a une interaction possible en balayant l'image avec l'objet en main. Et non, ça ne marche pas comme ça. Faut zoomer sur l'élément sur lequel on souhaite interagir. C'est quoi ça? N'en sais rien au fond. Ça attire mon regard. Même la fiche là, je peux pas la lire. Merde. Est-ce que je peux dupliquer par deux fois la clé? Enfin, si mon clic de souris arrive à tenir. Ouais, de. Allez, go. Allez, en stéréo. C'était ça. Qu'est-ce que c'est? Une bague bleue? Rose, vert, bleu. Oh! Mon Dieu, tout va là en fait. Mais dans quel sens? Parce que la jaune est là, mais qu'est-ce qui m'indique que c'est la bonne couleur? Rien en fait. J'ai eu au pifomètre. Ah oui, c'est précalculé, d'accord. Le jeu est indulgent. Donc là, j'ai un semblant de fusible qui est armé. Ça se complique. 3-4. Pourquoi 3-4? Ça dissimule rien, on est d'accord. Il y a des caractères au-dessus. Il y a des caractères symboles au-dessus. Il y a obligatoirement une logique. J'ai 7 trucs à. Il est où le symbole complexe à piger? Une histoire de cercles entrelacés. Non, c'est pas la machine elle-même quand même. Il y a un jeu de cercles. Arrête de faire zapper tout le bazar. Pardon pour l'effet Jarbotron. D'accord que ce n'a absolument aucun rapport. Ouais. Ça chauffe, ouais, ouais. Ça chauffe, je réfléchis. Je réfléchis, je réfléchis. Symétrie parfaite. Pourquoi j'ai un impair? Ce qu'elle veut dire, pourquoi j'ai un impair? Ah, ah. Sur le vide, c'est forcément les symboles qui ont un sens. Oh, quoi? Ranger du bas, gros cercle. Ranger du bas, gros cercle. Ranger du haut, petit cercle et vide point. Ranger du haut, petit cercle et vide point.
Manger du bas. Gros cercle. Attends, je sais pas compris. Ranger du bas, gros cercle. Ranger du bas, gros cercle. Petit cercle et vite point en haut. Non, je peux rien voir d'autre. Pour celui de gauche, tu en as. Oui, tu en deux. Ah, faut en mettre deux. Je fais n'importe quoi là, tu vois, j'y vais à tâtons. Oh mon dieu. Bon, je t'avoue avec les gichelopifomètres. Je comprenais plus. Je reconnais l'objet. Ça devrait rentrer, mais quelque chose bloque. Je vais ressortir ma mini caméra endoscopique pour regarder ça. Alors, glisser l'endoscope dans le placement de la couche. Alors, utiliser les boutons pour déplacer l'endoscope. Oh merde. Oh la vilaine punaise! Utilisez les touches de la machine pour déloger l'objet. Mais comment? Rayon laser! Je n'ai pas besoin de revenir en arrière. Au moment que je rentre dans le truc. Non mais c'est débile. Utiliser les touches de la machine pour déloger l'objet. Non mais après je vois pas. Alors là, c'est pas intuitif non plus. Je comprends pas comment je peux déloger l'objet du coup. Oui, il peut se mettre en arrière. Là, je piche pas. Et puis j'ai pas mes objets de base. C'est pas intuitif, je comprends pas. Ah, c'est les touches en dessous pour... Oh mon dieu. Une punaise. Comment est-ce que ça s'est trouvé là? Je vais dire deux mots aux équipes qui emballent des objets. Oh là 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 là. Bon, à partir de là... Oui, punaise, c'est le mot. Ouais.
Oh, re-coucou, Tom Wolf. C'est un jeu d'énigmes, comme vous pouvez le deviner. Oh mon Dieu. Oui, réhydraté, oui, t'as raison. Attends, je peux, oui. Déjà, je me redresse parce que je me laissais m'écrouler dans le fauteuil. Mais oui, merci, t'as raison. Tiens, je vais finir mon coffee parce qu'à cette heure-là, je vais pas dormir dans la nuit. C'est mon coffee du matin en plus. Café froid et sans sucre. Ah ouais, c'est délirant. Oh merde, c'est quoi cette logique de ma boule? Oh bordel. Là 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 là, je casse le truc. J'intervertis les jaunes, j'intervertis les oranges. Et là, je fais quoi? Alors, jaune-orange. Mais là, j'éclate le. Bordeloum. Mettre les jaunes sur les verts. Ok, merci. Alors là, je mets les verts sur les verts. Le mec, il est fou. Les jaunes sur les verts, comme ça. Le sage fait une salade de fruits. Ah oui, alors. Arrête, tu vas me donner envie. Ah. Salade de fruits, yoli, yoli, yoli. Attends, mettre les jaunes sur les verts. Mettre les jaunes sur les verts. Mais tout d'un coup, merde. Ah, ce zappage de prout. Les jaunes sur les verts, les jaunes sur les verts. Non, c'était pas mal mon truc. Oh, c'est dégueulasse, tu peux pas revenir. Vous devrez verrouiller la vue quand t'as plus d'interaction à faire. Le Ricard dans le verre, le sage. Ouais, bien sûr. Ça parle mal. Non, non, c'était bien mon coffee. C'était bien mon coffee. Ah bah là, je peux. Mettre les jaunes sur les verres. Les jaunes sur les verts. Comme ça. Non? Bah, j'ai mis en colonne les verts et les jaunes. Non, le jaune sur le vert. Le jaune sur le vert. Ah, il faut respecter le sens triangle. Qui est dessiné en fait. Oh là là, cette merde. Cette boja. Verrouiller la vue. Oh.
te mouffe. Oh le vilain. Mais c'est nul, hein. Le fait que je puisse zapper sur l'autre vue qui sert plus à rien, c'est nul. Ils ont dû condamner le truc. Je fais n'importe quoi là. Une bouteille sort. Oui. La bouteille sort. Là, il est charné. Ah, vue de naze. T'as le truc me rend fou. La manivelle. Non mais là c'est un... Oublions ce compartiment, hein, on l'a déjà utilisé. Ah oui, je peux rester appuyé. Hein? Ah ben non, mais non, mais je deviens fou. Ce truc me rend fou. J'ai pas capté la logique là. Mettre les jaunes sur les verts. Mettre sur les jaunes sur les verts. Je suis en train de déglinguer le truc.
Pour moi, il n'y a pas de logique. Attends, quand tu fais ça. Non, non, t'as pas de. Attendez, j'essaie de capter le truc. Gauche, tu peux rien faire. Non mais ça c'est une partie déjà faite, les clés machin là, c'est ce qui permettait d'alimenter, c'était un jeu de batterie, donc faut vraiment se concentrer sur le cercle, les symboles bizarres et les trois boutons, enfin les deux boutons du bas, le gros, le petit, plus la molette gauche droite là, tu vois. C'est vraiment cette partie centrale qui nous intéresse, le reste sur le côté on s'en fout, et on s'en fout parce que ça a déjà été fait, si tu veux. C'est vraiment cette partie centrale qui attire notre attention. Enfin, qui demande notre intérêt. Et ça rend fou. Ce jeu rend fou. Si cette nuit je fais encore des cauchemars, c'est la faute à toi, Antoine. Point. Les verts doivent aller sur les jaunes et les rouges sont des murs pour bloquer ou changer le chemin. Les verts doivent aller dans les jaunes. Alors les verts doivent aller dans les jaunes, mais putain, ça m'énerve. Ça, le fait de pouvoir cliquer là, tu vois, accidentellement, ça m'énerve. Pourquoi à cette stade du jeu, ils auraient dû verrouiller la vue sur le... C'est le truc con, hein, mais ça me frustre. Ça m'agace et ça me frustre. Les verts doivent aller sur les jaunes. Je deviens fou. Les verts doivent aller sur les jaunes. Les verts doivent aller sur les jaunes.
deviens fou, je ne comprends pas, je sais plus. J'avais même pas accepté ton affirmation. La première, c'est faut mettre les jaunes sur les verts, et ensuite tu me dis les verts doivent aller sur les jaunes. Bon, les rouges, j'ai compris, c'est la bascule, les rouges, d'accord. Mais je dois fusionner les verts et les rouges, mais j'ai l'impression que le triangle est d'importance dans les jaunes. Ça indique le sens dans lequel ça doit être indiqué, on va dire. Je comprends pas. Voilà, voilà, ils ont gagné un tour gratuit. Je comprends pas la logique. Ça me rend fou. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je comprends vraiment pas. Je pige pas. Ah, il faut... Attends.
aucun moment je peux faire bouger les verres, c'est ça que je comprends pas. Sur les disques en gris, il n'y a pas des points différents. Ah, les espèces de points cardinaux là. Ça. C'est délirant. Machine antigravité de cette taille-là, ma connaissance, aucune civilisation déjà contactée ne possède ce genre de technologie. C'est délirant. Ça m'a liquéfié le cerveau. C'est... Mais vraiment. C'est beau, mais ça m'a... Ça m'a rendu fou. Mais merci de la découverte.